Salut, bonjour et bonsoir tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode qui sera l'épisode de la prison de Rosencastle. Et je sais pas pourquoi je prends un temps comme ça, mais c'est pas grave. Rosencastle. Et donc du coup, nous allons par là du coup, nous allons faire ce donjon. Parce que c'est un donjon. Oui, c'est un donjon. Nous allons utiliser les dozers. Donc voilà, nous étions au niveau 4, là nous allons passer au niveau 3, après il y aura le niveau 2, après il y aura le niveau 1, et après peut-être l'entrée, on voit que le niveau 1 correspond à l'entrée. Je ne sais pas. On verra bien, hein. Mais on va procéder méthodiquement, c'est-à-dire il a dit suivez les portes rouges pour quitter l'endroit. Et bien nous, on va aller voir ce qu'il y a à côté. Bonjour monsieur le prisonnier. Il y a longtemps un type qui a tenté de s'évader nous a confié un secret, il a dit d'aller du bleu au rouge. Ça veut dire quoi? Il était juste centré. Du bleu au rouge. Ah oui d'accord. Ah là on va se battre bien là. Là je le sens bien. Hein. Regardez qui s'est fait dominer. La rancune n'a pas fait non plus. J'utilise guérison max. Alors déjà, on va changer d'équipement parce que j'ai toujours le gun gelant. On va reprendre l'arme de poing plus. Voilà. Grant peace to the souls of the defeated. L'hélicoptère dans le bel. Du bleu au rouge, du coup. Don't fall behind, okay? Et du coup, je me dis, est-ce que là, on va attendre une porte bleue? Si tel le cas. Parce que là, il y avait une porte rouge. Du bleu au rouge. Mais donc, non. Je pense qu'il faut vraiment que j'aille explorer ça. Il y a un secret autour de la porte avec la lumière rouge. C'est quoi le secret? Ah, j'y pense sans arrêt, j'endors même plus. Ouais, je suis empoisonné. Moche. Good, on va une petite guérison vite. Utilise ton mur de fumée. Du coup, voilà, ils savent plus où donner de la tête. On va en profiter, oui, un antibiotique en fait. Ça serait cool. Ah, on a chopé du micro-triton fumé. Moi je dis pourquoi pas. C'est dégoûté hein, si c'est pas par là qu'il fallait aller. Parce que là je vais explorer quoi. Il faut passer de la base. Ah y'a de la base. Merde. Et voilà. Bon, on prend un peu d'XP de toute manière, le but c'est de visiter, comme je l'ai dit. C'est tout? Pas de coffre? Paraît bizarre. Je bouge pas trop parce que je veux pas faire popper inlassablement des monstres, mais... Pas de coffre ici? Ouais, faut pas reconnaître.
Bon, ben, demi-tour. Mais si, il y a des coffres. Peu. Bien sûr qu'il y a des coffres. Voilà, 4 potions de guérison. 2 potions de résurrection. Voilà. C'est pas top top. J'espérais du meilleur loot pour tout vous dire. Mais néanmoins, bon, bref, c'est quand même récompensé l'explo. Sans déconner. Vas-y, j'ai utilisé mon attaque spéciale si j'arrive à le caler. R1 plus carré. Yahoo! Attaque parfaite. La guérison max. La guérison max, parce que sinon on peut faire une guérison. Laisse-le tranquille pendant qu'il dit sa potion. J'ai plus son potion pour qu'un potion. Potion. Meurs, enfoiré. C'est ton missile hurleur. Ouais, une attaque d'Aos, c'est cool. Boom! Everyone okay? I'm everyone okay, yeah. Of course on that. We're gonna have trouble getting through here. Bon, alors c'était bien par là. Ah, mais il y avait un cop là aussi. Où est-ce? Pourquoi j'ai raté tous ces cops? Je ne sais pas. Hop là, anti-paralysie x5, ça fait plaisir. Come on, let's get moving. Not these guys. Aïe. Aïe. Alors je peux rien faire. Bah, j'ai rien pu faire. Ils ont une potion de résurrection, mais dégueulasse. J'ai rien pu faire. La vie qui draine, ouais. Son guérison vite. Son guérison vite. Aïe. Non, non, mais continue à te battre. Tu vois bien que j'ai des aggro. Les aggro pour mieux les défoncer, je vois quand même. Aïe. Eh oui, continue à te battre. Avec ça. Son guérison. Ah, merde. Objet. Rez. Jester. Alors voilà la vie. Non, tu les attaqueras pas. On pense. Eh là. Ah, il me donne une potion de résurrection. Je suis pas contre parce que c'était un combat quand même. Éprouvant. Mais Jester est passé niveau 10. Oh là là. Bon, je me suis pas trompé de touche parce que là j'ai eu un peu peur. Vu que rond c'est pour sauter, j'ai fait putain si j'appuie sur rond. Je suis sûr que j'aurais chuté si j'avais appuyé sur rond. J'ai bien fait d'appuyer sur X. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a une grosse caisse? Je ne sais pas. Ah mais il me fait chier ce rouleau compresseur. Vas-y missile hurleur. Fais du boum boum. Voilà. C'est pété hein missile hurleur avec Simon quand même. Ouais. C'est très pété. J'approuve Simon. J'approuve ces techniques. Allons par là. Il y a 2 coffres. On les avait ouverts la dernière fois me semble-t-il. 2 triguérisons. Et un crâne de dieu dragon. Ok. Le crâne de dieu dragon il sert pas à une révélation quelconque. Essayez d'ouvrir le menu ici. Les entrées. Et là je peux l'ouvrir le menu. Ok d'accord. Ah. Avec le crâne de dieu dragon il peut prendre vent du désert niveau 2. On va voir quand même s'il n'y a pas de meilleure technique. Ah, elle peut prendre le cri du guerrier, ça peut être cool ça. Ah, j'hésite.
lui avec le crâne du deux dragons, il peut prendre défense feu. Voilà, c'est pas top top. C'est pas top top. Crâne du dragon, il va falloir en trouver pas mal, je vois ce que je vois pour les révélations. Ouais, qui ça là, non. Ah, j'hésite. Prix du guerrier ou vendu désert niveau 2? Qu'est-ce qui est le mieux? Vendu désert niveau 2, je pense, parce qu'après, regardez tout ce qu'on va débloquer pour Jester. Ouais. Pas déconner non plus. On va prendre vendu désert niveau 2. Donc Jester, ça va être le personnage qu'on va le plus jouer, finalement, puisqu'on va la plupart du temps. Le plus souvent. Ok. Là, on peut prendre vent d'usère niveau 3. Là, on peut prendre... Ah, voilà, bonus PV niveau 1. C'est quand même plutôt pas mal, si on arrive à caler, ça. Ouais. Bon, toi, porte. Si. Ça s'ouvre, cette porte-là, non. Et qu'un tout droit. We best keep our guard up around that prison. Magasin. Bonjour monsieur le magasin. Si tu veux que j'oublie ça, va falloir que tu achètes quelque chose. Oui, c'est un garde qui me demande d'acheter des choses. Bon là j'ai un peu plus de fric puisque j'ai combattu, mais Ah, tu me proposes des armes. L'arc du ciel et de la terre, elle peut être sympa. Je vais t'acheter une hachette de triton. Merci. Pour notre chère Lilika. Je pense que ça sera mieux que ce qu'elle porte actuellement. Ah bah oui, si je peux prendre la briseuse de métal, ça y est, c'est une level pour la briseuse de métal. Le but étant de se renforcer au niveau de tout. Alors, la hachette de triton s'équiper pour mademoiselle. Équipement de Lilika changé. Parfait. Mais après, il faut que je voie au niveau de Crappy Crapaud. Je fais combiner. Donne-moi manger. Ouais. Elle est pas rouge encore pour lui. C'est emmerdant. Celle-ci non plus. Je vais quitter la synthèse d'armes, mais c'est emmerdant. Il y a une sauvegarde. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Ok, donc là on continue. Ah, cinématique. Hein? Oh, help me. Lilika, tu demandes de l'aide. What is it? Someone's in there. Il y a quelqu'un là-dedans. C'est un peu transformé en main. Voilà. Cette proto-bête n'était pas très compliquée à vaincre. C'est alors pour une surprise, mais que diable faisait-il là? C'est un prisonnier, surtout. C'est un prisonnier où on a mené des expériences sur lui, ça se voit. We can't go any higher, Mr. Rosencaster. Let's stop here. Keep going. One more jolt. Damn it. C'est ainsi que Mewtwo fut créé. Bring in the next prisoner. But sir, in order to use any more prisoners, we'll need permission from the higher ups. Do you know who I am? Yes, sir. You're the warden, sir. That's right. I'm the one in charge here. We don't need permission. I'll decide. Got it? Just do what I say. Now, bring the next prisoner.
Right away, sir! I'm never going to give up. We're too close. There's no way I can give up now. Mm-hmm. Et on reprend l'aventure. On va voir par là, il y a des coffres. Coffres. Parfait. Boisson régénérante x4. Pas d'autres coffres. Circuler à un autre avoir. Ah, mais attendez, ça continue par là. Why are there beasts inside a prison? Ah, défi terminé sans encaisser les dégâts. Okay. On va tenter le drop. Okay. Clac. Si on utilise Simon et qu'on fait capacité missile hurleur, peut-être que ça peut passer. On l'immédia. Allez, finissez-le là. Merci. On a réussi le défi. Parfait. Ouais. C'est nice. Le défi était remporté. Alors là, par là, je me demande ce qu'il y a aussi. Ouais. Donc il faut descendre. Il n'y a pas le choix. Ok. This isn't good. Le missile horreur de Simon est vraiment très bien en fait. Alors quand tu bosses, peut-être pas, mais là tu fais ça, paf. Vas-y, balance un missile horreur, mon gars. Boum. Regardez-moi ça. Ça va être merci à faire. Ouais, on va te rebiffer. Voilà. Ouais, bah notre merci. Ok, hop, saute. Y'a rien en haut. On sait jamais. Imaginez, il faut qu'il pose un coffre en hauteur. C'est fou de leur part, n'est-ce pas? On va ouvrir les coffres. Ah, là, il y a un coffre. Clac! Deux potions de guérison. On prend. T'as quoi comme capacité de mission? Elle a pas de capacité du tout. Alors j'aurais peut-être mieux fait de lui apprendre. Bon allez, on va claquer notre vent du désert de niveau 2. On va voir ce que ça donne. Ah, il s'est pété le vent du désert de niveau 2. Effectivement. Encore plus que le missile hurleur finalement. Coffre. La clé de la barrière. Ah. Je suis sûr que ça sera très utile. Ouais, bah c'est pour là-bas. Très bien. Ce qui veut dire que par là, c'est un cul-de-sac. Du coup, on va fouiller parce que voilà, il y a certainement des coffres. Obtenu le givreur Guillon. Obtenu le bracelet en argent. Le givreur lion, qu'est-ce que c'est que cette arme? C'est pour qui déjà? C'est pour Jester, qui tend. Un fusil de combat courant sur tirant sur des décharges lentes. Parfait ça. Hop. Vas-y, monte. On va voir s'il y a des coffres de là. Donc là, il n'y a pas de coffre. Hop. Il n'y a pas de coffre. Je pense qu'on a pris tous les coffres. On peut aller là où il y avait la dernière. Capacité. 20 du désert niveau 2. Passé. Voilà. Ça gère bien ça. Steve est passé niveau 15. Parce que Steve c'est notre personnage le plus faible maintenant à l'heure actuelle. On va se soigner un peu quand même. On a pas mal de potions de guérison, ça serait bien. Vu qu'on était un peu faible. La vente du désert c'est bien mais ça bouffe beaucoup. Comment on se redonne un petit peu de PC déjà?
qu'on ait une potion qui permette ça. Je ne sais pas. Poudre d'azote, potion de guérison. Pirate. Guérison max, non. Huile de torbo et de turbo, ok. Café du Reika. Ok. Peut-être dans les SP, non. Je ne sais pas comment on se soigne. C'est bizarre, si on a plus d'objets que ça, normalement, quand même. En soins, je veux dire. Où sont nos tri-guérisons et compagnie, hein. Toutes les conneries qu'on ramasse en potion depuis tout à l'heure, les trucs régénérants. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, là, il y a des trucs. Ok, la tri-guérison est là. Tri-charge, rend tous les PC perdus à 3 alliés. C'est un peu trop pété pour que j'utilise ça. Là, c'est pas ça, extrait d'endurance. Voilà, rend tous les PC perdus à un allié. Je vais en utiliser un sur lui. Et un deuxième sur lui. Voilà. Boisson régénérante. Be careful. We'll lose our way if we're careless. Ah, un prisonnier. Je changerai le monde quand je sortirai. Je serai le roi d'un nouveau monde. Ok, God Roger. Alors attends. Hop. Hop. Jusqu'à présent, ils nous ont pas fait l'effort, mais ils n'ont pas mis le coffre en haut. Mais ça pourrait. Sortez-moi d'ici, j'ai rien fait. Et toi, pourquoi tu fermes les yeux? Il te faut la carte clé cachée dans le coffre pour ouvrir la porte de la prison. Il faudra aussi une puce similaire pour les ascenseurs bloqués. Trouve-la pour sortir d'ici, bonne chance. Ok, c'est un garde plutôt gentil. Cette porte est fermée, insérez la carte de la barrière. Mais on l'a, la carte de la barrière, on l'a chopée à l'instant. Mais apparemment, on aura besoin aussi d'une puce pour les ascenseurs. Ça, on l'a pas. Ok. Droite, pas choix. Ok, droite. If we escape from level 4, on avance, on avance, on avance. Bonjour monsieur. Si tu te fais la belle, ça viendra juste s'ajouter à tes crimes. Laisse-moi. Ok. On a de la taille. Là, on va combattre. À la loyale, hein, j'ai envie de dire. Il fait mal ce joueur en guérison max. Ah, il fait quand même plus mal que moi. Mon ancien gun, il n'y a pas à dire. Hein. Du level, du level, du level, du level. Bon, on va passer par en haut. Je sais pas si c'est bien maintenant. Après, a priori, la logique veut que l'on monte. Hein, donc, on remarque par en bas, c'est un cul-de-sac. Donc, bon, il y a peut-être des coffres. Des coffres. Non. Ça aurait pu. Bon, mais continuons par là, où. Here they come. Aïe. Très chiant cette attaque. Une besoin de guérison. Bref, Simon qui est passé niveau 16. We're not on the wrong path, are we? Tu peux crier autant que tu veux, les gars n'écoutent jamais. Ils vont juste m'exécuter comme ça. Toujours pas de coffre en hauteur. Non, c'est bizarre, il y a une étoile bleue là. Mmh. Non, en tout cas, il y a un coffre. On aurait pu le rater. Rouge magique. Ok, pousse-toi, bordel. Ah, mais c'est peut-être avec la gentille.
Je vais prendre un objet, une résurrection pour l'Eleka. On va se soigner. Voilà. Et on va utiliser une capacité. On va utiliser l'avant du désert de niveau 2. Et on va vous régler votre compte. Merci. Ravi de vous avoir connu. À la prochaine. This should help us put our skills to the test. We're gonna have trouble getting through. Ils vont rien en hauteur. Ah, il faut bien aller voir. Hein, si on... Ils vont rien. C'était un incident, j'ai rien fait, s'il te plaît, laissez-moi sortir. Deux coffres. La paupière de rêve x2. Et. Masque maudit. Ça c'est pas un objet pour l'Ilika. C'est que j'ai rien compris. Alors ok, Ilika. Parce que maudit effectivement se met là, mais sans un pot, je ne pourrais pas apprendre la danse voodoo. Ah, je veux pas prendre le dragon enragé par contre. Du côté de chez Simon. Apprends donc le dragon enragé. Dragon enragé. On a enragé niveau 2. Qu'est-ce que c'est que ce coup? Description capacité. Un furieux dragon apparaît et crache du feu sur l'ennemi. C'est instantané, ça fait des dégâts de feu. Okidoki. Par là. Attends. Ah, il y en a qui sont morts. On va utiliser des popos. Décidément. On s'en tire mieux qu'au début du jeu quand même. Mais quand même. Pas si évident. Let's get out of here. Fast. Ok, alors par là. Il y a un panneau. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur ce panneau? Ascenseur. Ouais. Il faut qu'on y aille, mais. Il faudra une clé. Achète de Triton. Ah, c'est bien ma peine de l'avoir acheté. Du coup, il marche. Je croyais que ça allait être plus spécial pour les enfants. Bah. Donc, on va atteindre du coup le niveau 2. Alors ça. Avec un nouveau point de sauvegarde. Ok. Continuons notre route. Par aller tout droit. Il n'y a pas grand chose à faire. Il y a un magasin et puis on a eu l'ombre d'un coffre. Vas-y, fais péter ton dragon enragé là, qu'on voit ce que ça donne. De le donner. Ah oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Je préfère l'attaque du missile, ceci. Le directeur dépense beaucoup d'argent pour des expériences bizarres qui réduisent d'autant nos salaires. Le mieux c'est de s'entraider. Je regarde de l'autre côté, tu achètes un truc. Euh...
Ouais, je veux bien t'acheter des trucs. Mais tu vends pas grand chose d'intéressant. Les extraits d'endurance. Ouais, je vais t'en acheter 5 parce que c'est pour reprendre des PC, c'est quand même utile. Ma foi, on peut prendre un peu d'élixir aussi. Voilà, merci. Hop là, un petit coffre ici. Micro triton fumé x3. Parfait. On continue ici. Alors, clairement, on va falloir aller en haut. Vous me connaissez, on va d'abord explorer. Coffre. Vous étiez où quand on avait besoin de vous, les gars? Et voilà, bien joué, les gars. On gagne en plus un antidote. Pas de coffre. Bon. Hop. On va remonter. Hop là. Voilà à quoi ça sert d'avoir un flingue qui fait des dégâts. Il y a un cap là-bas. Hop. Ah bah un autre crâne de dieu dragon, c'est parfait ça. Vu qu'on avait hésité tout à l'heure, on va pas hésiter des masses. On va faire apprendre à Lilika son cri du guerrier. Voilà, cri du guerrier obtenu. Cri du guerrier niveau 2. Parfait. Cette technique qu'a peut utiliser la forme. If we escape from level 4, we'll become legends. Ok. Continuons. I'll take you. Alors, il y a deux tarentules. Les dommages. C'est pas en faire. Oulala. Allez, vivons. Voilà. Couché. Cri guérison, très bien fait. Bonjour monsieur le prisonnier. Je me suis fait avoir, c'est la fin, c'est ici que je vais y passer. Il y a des choses comme ça. Il fait sombre ici, la bouffée des gueux, tu dois tirer mon pote. Ouais, c'est le but. I only hope they don't catch us here. Vous êtes enfermé au niveau 2, au moins c'est plus joli. Et au niveau 4, on nous connaît pour des putains de terroristes de merde. Sachant que je suis sûr que le mec qu'on a aidé à libérer l'espèce d'homme chat derrière sa cagoule, c'était un des terroristes hein, qui recherche. C'est obligé. Ah merde, Lilika est à terre. Ah merde, Simon est à terre. Résurrection. Et résurrection. Bien joué, Lika. Du level. Un coffre. Électrocanon. Ah. Si c'est pour Simon, c'est certainement mieux que ce qu'il a, le pauvre. Ouais. S'équiper. À la place de son vieux lance-flamme tout pourri, qui était de niveau 1, je rappelle. Oui. Ok. Continue par là.
Rappelons qu'on n'a toujours pas la fameuse clé de l'ascenseur qui nous permettra de nous évader. Peut-être le boss là, vous me direz. C'est possible. Deux coffres. Trois potions de guérison. Un champignon onirique. Ah là, il y a du coffre. Défi terminé en 25 secondes seulement avec les Nika. Je m'en fous de ce défi. Capacité, vent du désert niveau 2. Allez! Pas de quartier! Voilà. Défi perdu, bah oui. Néanmoins, on loote. Cheveux de méduse. Parchemins anciens 1. Ah, voilà qui fait plaisir. C'est pas du tout de petit chat. Là, il n'y a pas de coffre. Ouais, mais après, il n'y a pas de coffre, mais avec le popping, on va dire qu'il n'y en a pas. Mais c'est très chiant. Alors, révélation, là, il y a forcément... Non, pas stratégie. Révélation, il y a forcément quelque chose à faire. Avec ces parchemins anciens... Ah bah déjà... On peut apprendre projection niveau 2 apparemment. C'est cool. Voilà. Projection de niveau 2. C'est cool. Après, Miss. Bon. Oui. Ah. J'ai l'ananine X. Vas-y. Je suis chaud pour ça. Hop là. Ok. Ah ah, Steve peut apprendre son attaque brûlante de niveau 1. Ouais. Bonus attaque de niveau 1, ça peut être cool. Son attaque coulante, Zegram aussi. Lueur stellaire, vas-y. Apprends donc lueur stellaire. Clink. Bon, alors la question c'est Steve ou Zegram. Je veux dire Steve. Ouais, je veux dire Steve. Ah, Steve est plus et moins puissant, remarque. Ouais, mais on va falloir le jouer. De toute manière, on va vouloir tous les monter à un moment donné. Attaque brûlante de niveau 1. Parfait. Ok. Bon, je pense que de toute manière, et par chemin ancien, on va quand même tous les trouver. Hein. Allez, on continue le périple. Les petits clips, ça part. On dirait pas. Je vais aller voir le cul-de-sac quand même, parce que je suis pas sûr à 100% de moi. La carte, ouais. La carte n'était pas clairement bien définie, hein, c'était compliqué. Ok. Un coffre là-bas. Deux coffres même. Nice. Deux guérisons max, c'est cool. Deux antidotes, cool. Let's get out of here. Fast. Voilà. Hop. On a un vase et un rouleau. Aïe. Ça fait très mal, mon ami. Allez, à moi de contre-attaquer maintenant. Faire comprendre la sanction que tu vas prendre. Les gars, vous pourriez attaquer, non, non. Jamais. De la gomme collante. Nice.
We're gonna have trouble getting through here. Ok, par là. Can we really win this? Ouais, c'est là la suite, mais il y a un coffre là, donc on va aller voir le coffre. I only hope they don't catch us here. Certainement qu'il est important, ce coffre. Pierre divine du feu. Ah. Il me semble que tu peux apprendre une technique avec Pierre divine du feu. Alors, peut-être pas Jester, mais Lilika, je crois. Et oui, elle peut apprendre flèche explosif. Et c'est non négligeable. Vas-y. Ah, c'est là où elle aurait pu apprendre son attaque brûlante. Là. Dommage. Résistance au mal, flèche explosive niveau 2. On verra la suite. Battez tous les ennemis en dégoût, mais j'espère qu'on n'a pas. Ouais, moi aussi c'est possible de faire ça en fait. Vent du désert. Voilà. Défi remporté. Pas le choix, faut passer par là. This is not sitting right with me. Passer par là, faut passer par là. Je vais prendre juste un peu de soin. Utiliser sur notre ami Justo. J'ai plus de quoi trop utiliser. Alors, ok. Bon. Par là, hein. Clairement. Prison niveau 1. Donc on est au dernier niveau de la prison. Ok. Et c'est là où il va y avoir la clé de l'ascenseur, j'en suis sûr. Salut mon frère, laisse-moi sortir, je veux juste me venger des imbéciles qui m'ont envoyé dans un trou puant pareil. Ouais. On va aller voir par là. Coffre. On regarde comme ça. Ouais. Non, pas de coffre. On va sauter. On va aller voir ce qu'il y a là par là. Be careful. We'll lose our way if we're careless. Vous pensez que c'est la suite? Moi, je pense pas. Hein. What a waste of time. Ah putain, il y a un rouleau avec du verre. Ah, arrêtez de me défendre. On s'en va. Allez. L'attaque spéciale. On utilise le missile hurleur, sinon on va y passer. Voilà. On l'a pourrave. Une fiole de résurrection. Parfait. Et là, puisque j'ai une fiole de résurrection, c'est des popos de soins qu'il faut utiliser. Ok. Le coffre. Guérison max ou 3. Parchemins anciens. Hein. Casque aussi. Ah, tu vas prendre ton attaque brûlante. Clac. Attaque brûlante de niveau 1. Ouais. Est-ce que c'est la sortie, vous pensez? Ça me tue le pire. Je ne sais pas. J'ai peur que ce soit la sortie et on n'a pas fouillé l'eau. Alors on va fouiller l'eau. On sautera, hein. Allez plus vite. That's how
how you get it done. Voilà. Ah, du level, c'est pas mal, on monte vite, là on est déjà niveau 20. We're gonna have trouble getting through here. Bon, pas mal. Can we really win this? Peut-être un cul-de-sac en haut. Mais si c'est le cas, il y a forcément des coffres. Ah, this should help us put our skills to the test. Là, il y a du coffre. Deux potions de guérison. Là, il y a du coffre. Trois potions de raid. Non, on est pas venu pour rien. Here they come! Bunch of whips! Don't let your guard down! Aïe. Jaster! Il va falloir que j'utilise mes potions de reste que j'ai chopées à l'instant. Choix. Je me jure, j'ai trop basse pour le reste. Puis ta capacité flash explosif, ma chère. Ah. Putain. Ça fait forcément du dégât. Et si t'as pas un arc génial. Voilà. Le compagnon arrive. C'est parfait. On va lui donner des popos de soins. Voilà. Derrière un corps pour vous. Voilà. Un joli coffre. Hop. Ah, c'est un piège, merde. Here we go. Stop getting in our way. Allez, stop. Interrupt, les gars. Ok, on va tous crever là. Genre du désert de niveau 2, j'ai pas le choix. Ça lui a rien fait. Magnifique. Objet. Raise. Raise. Capacité. Cribillage. Il faut considérer comme un boss, hein, donc il va falloir y aller à fond, mur de fumée. Épée de foot de niveau 2. Il va falloir y aller à fond au niveau des buffs. Hein. Objet. Guérison, comme un joueur. Sauver les tri guérison. Voilà. C'est pas évident. Hein. Niveau 20. Wonder if they're worried about us. Donc c'était bien un cul-de-sac, c'est ça? Ouais, il y a un coffre là. Hop. Une pierre du zéro absolu. Pas du tout ce que c'est. Forcément, ça a putain d'utilité. Ouais. Je pense que c'est plus pour Kixala ou quelqu'un d'autre. Je sais pas qui, mais en tout cas, à mon avis, c'est un objet qui valait le coup. Pierre du zéro absolu, ça pourrait servir à apprendre mur de fumée de niveau 2, ouais. Ou résistance au feu niveau 2, ouais, alors c'est pas terrible. Attends de voir si ça permet d'apprendre d'autres trucs à d'autres gens. Là, de son côté. Non, en fait, qui ça là, ça t'apprend rien à toi. D'accord, donc c'est vraiment que pour Simon. Franchement, mur de fumée pour ce que ça sert, bof bof, donc je vais prendre plutôt résistance au feu de niveau 2. Je pense que ça sera plus utile. Voilà. Passif, mais il sera utile. Donc là, c'était bel et bien un cul-de-sac, donc on fait tout ça pour rien. Et du coup, là, tu sautes. Je vais pas sauter. Ah bien. Couchou.
corner. Et voilà. Arôme relaxant, parfait. On peut pas sauter ? Ouais, si, pas sauter. Ouais. Voilà, raccourci. Donc là, c'était bien la suite. Et on a bien fait de partir en haut. Clac. Trois coffres. Ok. C'est pas cool du tout, mais notre barre de vie. J'ai vu là, voilà. Je vais claquer. Ça, ça fait chier, mais bon. Comme si j'avais le choix. Ok. Non. Capacité. Épée de fou de niveau 2, merci. Capacité. Cri de guerrier, merci. Capacité. Génanime X, ça serait bien ça, Génanime X. Objet. On va pouvoir utiliser ça. Et donc, capacité, je disais. J'ai la ligne X. Yep. Voilà. Hop, un regain d'énergie. Alors là, on va défoncer les mouchettes. Ouais, je pensais que t'allais nous abattre. Je pourrais le doigt dans l'œil. Mais vraiment. Ah, tu fais chier. Non, non, il lui reste un point de vie. Le groupe de Simon est vaincu. Allez vous faire voir. Il lui restait genre juste un point de vie. Ah là là. Bon, on va arrêter là. Hein. Je sais même pas d'où je recommence là. Où était le dernier point de sauvegarde? Je ne sais plus. Mais enfin, le jeu redémarre à zéro de toute manière, donc on arrête là. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, et tout petit. Ciao.